بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 16 sur le cours des nombres rationnels, produits et quotients, niveau 2e année collégien au Royaume du Maroc. Calculez 4 sur 16 moins 1 tiers sur 21 sur 28 moins 7 quarts, 2 cinquièmes moins 45 sur 25 sur moins 3 dixièmes, moins 17 sur 34. Allez-y, prenez votre cahier des exercices, copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer ces opérations. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Calculant 4 sur 16 moins 1 tiers sur 21 sur 28 moins 7 quarts. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Oui, nous allons réduire ces deux nombres rationnels, 4 sur 16 et 21 sur 28. va être réduit par quel nombre? Oui, par 4, ça donne un quart. Moins un tiers. Sur 21 sur 28 va être réduit par quel nombre? Oui, par 7, ça donne 3 quarts. Moins 7 quarts. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, je vais calculer 1 sur 4 moins 1 tiers. Donc, je vais, premièrement, rendre leur dénominateur commun. C'est quoi? Oui, c'est 12. Donc, je vais multiplier 1 par 3. Ça donne 3 sur 4 fois 3, c'est 12. Moins, je vais multiplier 1 par 4 et 3 par 4. Ça donne moins 4 sur 12. Maintenant, si je vois le dénominateur 3 sur 4 moins 7 sur 4, il est déjà prêt pour effectuer cette différence. 3 moins 7, c'est moins 4. Donc, c'est moins 4 sur 4. Et on continue. 3 sur 12 moins 4 sur 12, c'est combien? Oui, c'est moins 1 sur 12. Et moins 4 sur 4, je peux effectuer cette opération. C'est quoi? Oui, c'est moins 1. Moins 4 sur 4, c'est moins 1. Moins 1 sur 12 sur moins 1, c'est quoi? Oui, c'est 1 sur 12. Je n'ai qu'à éliminer le signe moins du numérateur et du dénominateur. Et ça reste 1 sur 12 sur 1, qui est égal à 1 sur 12. Et c'est terminé. On a 2 sur 5, moins 45 sur 25, sur moins 3 sur 10, moins 17 sur 34. Qu'est-ce que je vais faire premièrement? Oui, je peux réduire 45 sur 25 et 17 sur 34. Donc ça donne 2 sur 5, moins 45 sur 25. Par quel nombre je vais réduire ça? Oui, évidemment, par 5. Ça donne combien? Oui, ça donne 9 cinquièmes. Sur moins 3 dixièmes, moins 17 sur 34. Je peux le réduire par quel nombre?
Oui, par 17, ça donne un demi. Moins un demi, moins 3 dixièmes, moins un demi. Maintenant, si je regarde le dénominateur, il est facile de, si je regarde plutôt le numérateur, il est facile de calculer cette différence. 2 cinquièmes moins 9 cinquièmes, c'est quoi? Oui, c'est moins 7 cinquièmes. Sur moins 3 dixièmes, moins 1 demi. Qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, je vais rendre leur dénominateur commun. Donc, puisque 10 est un multiple de 2, donc le dénominateur commun, ça sera, oui, ça sera 10. Donc, je vais laisser le nombre rationnel moins 3 dixièmes comme il est. Puis, je vais remplacer 1 demi par un nombre rationnel qui lui est égal. Donc, je vais multiplier par 1 par 5. Ça donne 5, et 2 fois 5, c'est 10. Ça donne moins 7 cinquièmes sur moins 3 moins 5, c'est moins 8 sur 10. Et on continue. Ça donne moins 7 cinquièmes fois l'inverse de moins 8 sur 10. C'est-à-dire moins 10 sur 8. Et je peux réduire ce nombre rationnel. Donc ça donne moins 7 sur 5 fois moins 5 sur 4. Moins 7 fois moins 5, c'est 35. Sur 5 fois 4, c'est 20. Et on peut réduire ce résultat. Par quel nombre? Évidemment, par 5, ça donne. Oui, ça donne 7 sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.